qui arrive à prendre le premier kill puis un second. Colorex se joint évidemment à la bataille avec une sticky qui ne va pas passer. Oh, et la halte qui le ramène dans sa propre bombe. Aïe aïe aïe, Roar qui est au taquet sur ce move, ça fait plaisir, ça se régale. Qui reste en vie, 73 cm, le champ d'immortalité qui permet de contester Fire. Voilà, Fire voilà. Predator, on utilise Touchade. Et voilà, Edison, on l'avait vu, il était là prêt à bondir. La contestation qui arrive à la dernière seconde et ça permet à toute l'équipe de revenir. Bien placé qui va forcer le focus de Jinmu qui lui aussi arrive pas mal à se faufiler. Et le très bel IUM, on est 5 totalement silence. Kron qui va tomber en premier, c'était le seul qui n'avait voilà. pas pris l'IUM. Et c'est un très beau teamfight, impeccable. Bien géré, l'IUM, hein, c'est vraiment l'ulti beau. Je vais pas dire beaucoup trop fort, mais c'est voilà, meilleur ulti du jeu selon moi. Voilà, qui fait la diff. Ouais, c'est difficile de s'exprimer, hein, c'est sûr. On le sait, B2B qui arrive ici à s'en sortir, qui cherche une occasion, oh, mais très très bonne halte combotée avec la bombe collante de Dante. Il se précipite un petit peu trop, Colorex, c'est dommage. Jerry qui pique un somme. Il y a une halte qui vient d'être envoyée, oui. Le nano boost sur Tuba et c'est parti, Jake. Ah oui, et puis malgré le stun, il arrive à prendre un premier kill, un deuxième kill, un troisième kill, un quatrième kill, un cinquième kill, Tuba, qui a enfin compris qu'en jouant avec son équipe, le Genji était fort. Il a tué tout le monde, littéralement. Ah ouais, il a tué tout le monde.